Affaire suivante, greffier. Affaire Dame de la Rivière. Installez-vous, Dame de la Rivière. Contre Jean Taïssou, suite à un jugement de rétention. Prenez place, Jean Taïssou. Bien. Dame de la Rivière. Présentez-vous. Je suis Jeanne Dumas, de Paysanne. Dame de la Rivière, avec mes trois petites filles. J'habite à Condat, où j'exploite depuis fort longtemps un domaine viticole. Très bien. Et vous, Taïssou? Ah ben, monsieur le juge, je m'appelle Jean Taïssou et je suis batelier sous la rivière Vézère. Très bien. Donc, suite à ce jugement de rétention des biens appartenant à Dame de la Rivière, vous avez fait appeler au procès Pierre Martel. Est-ce que cette personne est présente? Me voilà, monsieur le juge. Très bien. Bonsoir. Martel, présentez-vous et expliquez-nous votre version des faits. Je suis Pierre Martel, bourgeois, marchand de la ville de Montignac. Et Dame de la Rivière, ici présente, m'a chargé, voilà, de transporter 8 barriques d'eau de vie de la ville de Condat en Seine de Bordeaux pour les remettre au ciel des mains. Voilà. Attendez, Martel, vous nous confirmez bien les éléments de Dame de la Rivière? Tout à fait. J'ai confié au sieur Martel ce transport parce qu'il avait des bateaux et une équipe de bateliers faite pour ce genre de transport. Absolument. Très bien. Vous, sieur Martel, pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulé le transport? Eh bien, c'est très simple. J'ai fait charger ces 8 barriques d'eau de vie dans les bateaux et des bateliers, mes bateliers, les ont chargés du port de Condat au celui de Aubas. Et de là, nous avons rechargé d'autres bateaux avec d'autres bateliers du port d'Aubas au port de Los. Et ensuite? Ensuite, d'autres bateliers ont chargé ces barriques sur d'autres bateaux et les ont transportés de Los jusqu'au port de Saint-Léon. Et ceci en la continuée. Et je tiens également à préciser qu'à chaque port, j'ai payé chaque taxe. De pas rien. De plus, je ne répéterai pas le cheminement de ces barriques parce que j'espère que vous avez tous compris. Parce que je ne le répéterai pas. Coquinerie, malversation. Sieur Martel, vous êtes dans un tribunal. Oui, vous répéterez si on vous le demande. D'accord. Bien. Vous confirmez ces faits, Dame de la Rivière? Bien sûr, monsieur le juge. Le dit Martel, il a bien confirmé que mes barriques étaient en fort bon état. Donc il les a chargées avec d'autres barriques sur d'autres de ces bateaux pour les expédier à Bordeaux. Voilà, c'est le cheminement final. Mais dans ce cas, qui peut me dire ce qui s'est passé ensuite? Ah, moi, monsieur le juge. Non. Ouais. C'est pas gagné. Je vous écoute, Taïssou. Ben, après le chargement, je m'en ai rendu compte qu'il y avait une barrique qui était en fond de cale, qui a coulé fort. Alors j'ai demandé à mes compagnons qui retirent les barriques qui étaient au-dessus. Et puis après, ben, il ne coulait plus. Cependant, il manquait beaucoup d'eau de vie dans la barrique appartenant à la Dame de la Rivière. Silence! Et qu'avez-vous fait? Bah, j'appelais le sieur Martel. Bah, et vous, Martel, qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai prévenu Dame de la Rivière.
Et vous, dame de la rivière, qui avez-vous prévenu? J'ai prévenu un agent qui a contrôlé où était passée l'eau de vie de mes barriques. Et alors, qu'avez-vous fait, Taïssou? J'aurais prévenu sur Martel. Et vous, sur Martel, qu'avez-vous fait? J'ai prévenu dame de la rivière. Et vous, dame de la rivière, qui avez-vous prévenu? J'ai prévenu un agent qui a contrôlé où était passée l'eau de vie de mes barriques. Et quelles ont été les conclusions de cet agent? Mais elle a conclu que les bateliers du sieur Martel avaient fait tomber la barrique sur le port d'Aubas. Non, ça, ce n'est point vrai. Il n'y avait aucun choc ni aucune avarie sur cette barrique. Dans ce c'est cas, pas ce qu'il a dit. S'il vous plaît, dans ce cas, sieur Martel, comment expliquez-vous que la barrique soit presque vide? L'évaporation, peut-être? Alors là, moi, ça, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je veux bien payer la valeur de l'eau de vie à condition que mes bateliers soient en faute. Mais pour sûr qu'ils sont en faute, vos bateliers, sieur Martel. Je l'ai reconnu. J'ai jamais goûté l'eau de vie de la rivière. Ben, on se le demande. Les bateliers du sieur Martel, je ne veux pas les poursuivre actuellement. Non, je suis pas d'accord. Rassurez-vous, les gendarmes se chargeront de les surveiller de près à partir de maintenant. Pardon, vous Martel, vous avez reconnu que vous avez chargé sur vos bateaux des barriques qui étaient intactes. Vous êtes donc responsable de leur bon acheminement jusqu'à Bordeaux. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle je vous condamne à remplacer la barrique de vie de la dame de la rivière. Oui, c'est normal. Mais je n'ai point de barrique, monsieur le juge. Silence, qu'importe, sieur Martel. Vous paierez à la dame de la rivière la somme qui sera fixée par un respect. Procédure qui a commencé devant l'ordinaire de Serge Jacques.